point faible. Escalier en mitril ? Eh bah ben, quel luxe ! Salut! C'est pas trop tôt. Y'avait un énorme tas de mitril qui arrêtait pas de nous faire de l'œil. Hein? Le sol peut encore s'effondrer à tout moment. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Ouais. Le problème, c'est que la Shinra sait où nous sommes. Ils nous tentent peut-être une embuscade. Si j'étais à leur place, c'est aussi ce que je ferais. Mais bon. Quoi qu'il en soit, on doit quand même y aller. On n'a pas le choix.
Pas après ce qu'on a vu à Midgar. Il est désormais de notre devoir de protéger la planète. Si la Shinra se met sur notre route, faudra les affronter. Continuons de suivre les manteaux noirs. À mon avis, ils nous mèneront à Sephiroth. Je les vois nulle part. Hein ? Oh non ! Il a pas eu de chance, lui. La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. L'oiseau qu'on a vu tout à l'heure, d'où est-ce qu'il a pu venir ? On m'a parlé d'un vieux réacteur sur une île. Et un condor géant en aurait fait son repère. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais en tout cas, je ne connais aucun moyen d'aller sur cette île. Bien fait pour la Shinra. Ça leur apprendra. Sur une île ? Je vois. On n'y peut rien, alors. Ouais. Mieux vaut aller à Junon. Okay.
Un petit village sous la ville citadelle. C'est sous Junon, un modeste village de pêche. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Attendez un peu. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Randa. Je suis le maire et la chef de la milice. Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Iris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Hein? Tant que ça?
suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait deux hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que deux options. Par la mer ou par la voie des airs. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge? Ouais, faisons ça. Allons-y. Vénérable Baptiste Bury. Ah, vous voyagez aussi dans le coin? Alors, je vais vous prendre en photo en train de regarder la ville forteresse. Sujunon est très intéressante, n'est-ce pas? En particulier la couleur de la mer, d'une beauté glaçante. Il semblerait que ce soit dû au réacteur Mako sous-marin. Ça vaudrait le coup de l'immortaliser pour en témoigner. Si vous voyez un autre sujet intéressant, venez me le dire, s'il vous plaît. Ces vénérables bâtisses urinées par les embruns me font penser à des fruits. Presque trop mûrs, dont l'écorce se craquelle. Avez-vous rencontré la jeune Priscilla? Vous la reconnaîtrez tout de suite. Alors, qu'est-ce que ce sera? Repassez quand vous voulez. Autrefois, on pouvait voir sur cette mer la capitale de la République de Junon. Elle était bâtie sur de grands navires reliés entre eux. Une formidable ville flottante. Ô peuple de la planète, je t'en prie. Oh, un client. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Thank you.
Je vous remercie du fond du cœur. À bientôt. Mais qu'est-ce que... Hein ? La pêche a été exceptionnelle aujourd'hui. J'espère que la mer sera... L'ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut. On y est là ! Oh ! Tu veux faire une partie de Queen's Blood ? Désolée, mais je m'apprêtais justement à repartir en mer. Je m'appelle Isabelle, si tu veux savoir. Je parcours le monde à la recherche d'adversaires à ma hauteur. Et franchement, j'en ai pas trouvé un seul par ici. Donc, je vais pas m'éterniser. Mais qui sait ? Peut-être que toi, t'es digne de m'affronter ? Qu'est-ce que t'en dis ? Un petit duel contre moi avant que je mette les voiles ? Thank you.
Alors, c'est tout? Quel naufrage! Il paraît que la Shinra prépare un événement important dans la ville, là-haut. Ça m'intrigue. Oui, du temps de la réponse. Avez-vous rencontré? C'est vénérable Baptiste. Je me demande où se cache. Vos têtes ne disent rien. Vous êtes venu par les marécages? Oui. Les gens du ranch de Chocobo Bill nous ont donné un coup de main. Bon sang, mais quelle tête de mule ce Bill. Je lui ai pourtant bien dit de retirer ses pancartes. Les marécages sont dangereux, même à d'autres chocobos. Je m'appelle Gabe. Je suis le propriétaire de ce ranch. Et je préfère vous le dire tout de suite. J'ai aucune intention de vous louer mes chocobos. C'est difficile de faire des livraisons avec tous les règlements de la Shinra. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux pour poursuivre mes activités. Mais mon chariot a fini par se casser. J'ai pas la pièce nécessaire à sa réparation, alors je peux vraiment rien faire. Honnêtement, je sais pas trop jusqu'à quand on va pouvoir tenir comme ça. On pourrait peut-être vous aider à le réparer? Non, ce sera pas la peine. Il vous manque une seule pièce, si j'ai bien compris. En effet, ouais. Mais bon, ça changerait pas grand-chose. De toute façon, j'aurais pas les moyens de vous payer. J'ai bien tenté de les relâcher, mais ils reviennent à chaque fois. Ces chocobos sont plus adaptés à la vie sauvage.
C'est foutu pour nous maintenant. C'est ma faute si on en est là. Alors j'attends tranquillement la fin avec eux. Il faut pas dire ça. Vous pouvez encore vous en sortir. Cloud, tu veux bien qu'on l'aide? Accepte pour les chocobos et pour moi. T'es le meilleur. Vous avez l'air décidé à m'aider. Mais sachez que vous aurez du mal à obtenir la pièce nécessaire. On n'en trouve pas dans les environs. Et où est-ce qu'il y en a? Chez l'artisan qui vit tout en haut de la montagne. Le problème, c'est qu'il vous faut un chocobo capable de l'escalader pour aller le voir. Belle devrait faire l'affaire. Elle doit être dans les parages. Mais vous aurez peut-être du mal à l'attraper. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Merci d'avoir accepté. Et pardon de te faire travailler gratuitement. Faut que je te dise un truc, Iris. Ce type donnait l'impression d'être abattu. Mais je pense qu'il cache bien son jeu. Quoi? Attends. Est-ce que t'es en train d'insinuer que je me suis fait avoir? Qu'il se sert de moi? C'est bien possible. J'y crois pas. Mais ça ne change rien du tout. Je ne fais pas ça pour lui.
Qu'est-ce que vous voulez? On veut réparer le chariot de Gabe. Ah, vous avez besoin d'une pièce. Dans ce cas, revenez demain ou après-demain. Pour l'instant, je suis bien trop fatigué pour travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort de son lit? Apportez-moi d'abord tout ce qui est indiqué sur cette liste. On fait quoi? On accepte, bien sûr.
Analyse réussie. Vous avez correctement extrait les données de l'esphère contenues dans ce cristal. Elles me serviront à renforcer votre matériel d'invocation.
Oh, autant que ça? Au fait, je m'appelle Freddy. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Donnez-moi un instant. Et voilà, c'est fait. Il n'y a que moi qui sais fabriquer quelque chose d'aussi résistant. Tenez, c'est à vous. Vous devriez en fabriquer d'autres. Je suis sûre que Gabe finira par vous rendre visite. Ça m'étonnerait. Mais bon, je verrai ça plus tard. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes libre de ficher le camp, hein? Chariot et de prendre soin de vos chocobos. On dirait bien que j'ai pas vraiment le choix. Ouais, c'est promis. Bien. Alors vous pouvez commencer maintenant. C'est fait. Ah, ce bon vieux Freddy. On peut dire qu'il s'est dépassé cette fois. Grâce à ses efforts, mon chariot est comme neuf. Je vous remercie. Vous m'avez permis de reprendre mes activités. Tant mieux. Mais avant que nous repartions, permettez-moi de vous poser une question. Supposons que nous ne soyons jamais passés par ici. Vous auriez vraiment laissé vos chocobos dans cet état-là? Probablement. Je vois. Mais je comprends. La compagnie Shinra est très puissante et impose sa loi partout où elle va. C'est normal d'avoir trop peur pour oser se rebeller. Non, détrompez-vous. La Shinra ne me fait absolument pas peur. Ah oui? Alors pourquoi avoir arrêté le travail? Comme vous le savez, mon chariot avait fini par se casser. Et il m'était trop pénible d'essayer d'obtenir la pièce nécessaire. Donc voilà, pour faire simple, tout ça, ça m'ennuyait. Ça vous ennuyait? C'est bon, j'ai bien compris. C'était uniquement de ma faute. Désormais, je vais me donner à fond dans mon travail. Je vais faire des réserves de pièces pour pouvoir réparer mon chariot. Et je vais bien prendre soin de mes chocobos. Vous avez tous entendu? Alors on compte sur vous. Vous savez obtenir ce que vous voulez, ma petite demoiselle. N'est-ce pas? Bienvenue. Est-ce que vous êtes seul ?